What's up les PGNM, The Superplo au micro, et comment allez-vous aujourd'hui? Donc moi aujourd'hui je vais vraiment très bien, donc on se retrouve pour le premier épisode de ma carrière manager avec Manchester City tout simplement. J'avais fait un petit sondage sur Twitter et Facebook pour vous demander quelle équipe je devrais prendre pour ma carrière manager sur FIFA 15. Donc tout simplement Manchester City est revenu. Donc j'avais donné le choix entre Manchester City, Liverpool. Il y avait également il y avait tout simplement aussi le PSG, le Real. Et donc on m'a tout simplement dit de prendre Manchester City. Donc on va commencer ça. J'espère tout simplement que ça vous plaira. Donc je vais également envoyer ça à la Only FIFA. Donc je remercie d'avance s'il m'upload. Donc si vous voulez suivre tout simplement la carrière manager, n'hésitez pas à venir vous abonner. Donc je vais faire ça très très vite, hein, les petits réglages. Donc je sais déjà qui je vais prendre, je sais déjà qui je vais garder environ. Donc le but ça sera de faire deux équipes. Donc une équipe type, vraiment une grosse équipe. Donc avec du Compagnie, avec du Kun Agüero et tout. Donc pour tout simplement les gros matchs et tout simplement me faire aussi une deuxième équipe pour les petits matchs, pour les matchs moins importants, pour faire reposer tout simplement les grandes stars. Donc n'hésitez pas à me demander, à dire dans les commentaires des bons joueurs à recruter, car là je vais tout simplement faire mal début, hein. Je vais créer mes équipes, je vais faire les recruteurs, etc. Donc je crois que l'épisode va durer une vingtaine de minutes plus ou moins, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc j'espère tout simplement que ça vous plaira, hein, également. Donc je sais pas quand elle va sortir la vidéo, c'est possible qu'elle sorte lundi, comme mardi, comme mercredi, je sais pas du tout quand je vais la sortir. Donc il faut savoir qu'on est dimanche 1h, donc 13h15, donc quand je fais tout simplement la vidéo, donc quand je fais l'épisode. Donc allez, on est parti, donc créer une nouvelle, parce que oui j'ai déjà une autre carrière avec le PSG. Donc parce que moi je suis nul en carrière manager, c'est ma première. Donc tout simplement je sais pas vraiment comment ça se passait, donc j'ai fait vite fait une petite carrière manager avec le PSG que je vais sûrement continuer. Donc tout simplement pour voir, donc ok, l'enregistrement de mon son il est en train de se passer, ok c'est parfait. Donc j'ai un petit peu contrôlé là si l'enregistrement était bien en train de se faire. Donc voilà, allez Manchester City. Ok, parfait. Donc on va commencer à aller lire les mails, donc les objectifs, etc. Donc objectif du championnat. Être sacré champion, ok. Recruteur, je m'appelle Ryan, ok. Nous cherchons un milieu axial. Ah, attendez, je vais en premier voir le petit rapport de recruteur. C'est jamais un petit milieu axial. Petit milieu axial. Ah, Ramsey, Ramirez. Bon, tu sais quoi, je verrai ça après. Donc, président sur le marché des transferts. Ok, c'est parfait. Ok, allez. Donc, que puis-je faire? Donc, on va tout simplement en premier faire l'équipe. Donc, voilà. Donc, je crois que je vais faire un petit 4-1-2-1-2. Donc, dispositif. Comment on va changer de dispositif? Donc attendez, hein. Hop. Je vais en premier, je vais changer le dispositif, je vais faire un petit 4-1-2-1-2. Donc ici dispositif. Donc dispo, on va se faire un. Pourquoi pas un 4-1-2-1-2. Il est où le 4-1-2-1-2? 4-1-4-1, non ça m'intéresse pas. 4-2-2, ça m'intéresse pas. 4-3-3. Pourquoi il n'y a pas de 5-4-1-2-1-2 là? Non, faut que je fasse un système avec deux buteurs. 4-3-2-1. Oui. Ouh, ça a l'air pas mal. Non, je vais pas faire ça. Donc, je ne sais pas forcément quoi prendre. 4-4-2 en losange. C'est un vieux 4-4-2 de merde. 3-4-1-2. Ah oui. Allez, vas-y, on va se faire ça. Un petit 3-4-1-2.
Donc avec trois défenseurs centrales pour ma première équipe, tout simplement. Donc je crois que ça va être le plus efficace hein, dans cette composition de Manchester City. Donc on va tout simplement regarder un peu ce qu'on a sur le banc. Donc sur le banc, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a des défenseurs, des bons défenseurs. On a Jovetic, on a du Navas, du Negredo, du Mangala, Lampard. Ok, donc on va voir un petit peu qui on peut faire jouer. Donc défenseur Demichelis, excuse-moi, je vais te mettre sur le banc. Je vais mettre Mangala. Mangala, un énorme défenseur, très sincèrement. Donc Zabaleta, donc ok. On va voir un petit peu, on va le comparer un peu à un Clichy. Donc un Clichy, il a précision, non, marquage, il a un bon marquage. Il a un bon tag glissé, tag debout, il est plus intéressant Zabaleta. Un Sagna. Voilà, ça, je vais mettre un petit Sagna, ça a l'air plus intéressant. Donc un Nastri, je vais mettre ça en milieu droit, bien entendu. Kolarov, je vais te bouger, excuse-moi cousin. Je vais te mettre à place Fernandinho. Touré, Touré, ça va rester en milieu central. Milieu gauche. En milieu gauche, ouais, je vais laisser Fernando en milieu gauche. Bon après, ça y est, rien à changer les gars. Quand on voit l'équipe, donc du Silva, du Dzeko, du Agüero. Donc voilà, tout simplement. Allez, donc ça c'est fait. Mon équipe titulaire, ça sera ça, tout simplement. Donc maintenant, on va aller vers mes petits transferts. J'ai 80 millions de budget. Ok, c'est parfait. Donc maintenant on va voir un petit peu. Donc ça c'est bon, ça c'est en prêt, ok, ça c'est parfait. Bon allez, on va voir ça. Donc Art, je vais te garder. Zabaleta, t'as 29 ans. Je vais ajouter à l'aide de transfert un petit Zabaleta. Demichelis, 33 ans. Ça me dit rien, donc je vais ajouter à la liste de transfert également Demichelis. Kolarov, 28 ans. Je vais le prêter. Donc sur les de prêt au calme. Fernando, le milieu défensif central. Ah ok, il est MDC Fernando. Ah ok. Donc j'ai pas de milieu gauche à part David Silva. Seulement rejoint le club sur la liste des prêts. Donc on va presser ça. Frank Lampard, je vais pas l'utiliser. Donc je vais lister ça sur le marché de transfert. Mangala, je t'utilise Jovetic. Je vais te garder dans mon club. Richards, c'est lequel ça? Ok, il a 90 en détente, 88 en force. Ok, ça je vais garder. Ça peut être intéressant. Sagné dans mon équipe. Clichy, je le garde. Navas, je vais garder ça. Negredo, Caballero, je vais mettre ça sur la liste des prêts. Putain, ils ont recruté des vieux joueurs en fait. Fernandinho, je te garde. Pozzo, je vais le prêter. Oh merde. Oh putain. Allez, wesh. Ils ont franchement un bon effectif quand on regarde. Donc après des 19 ans et tout, ça je vais garder tout ça hein, pour faire ma deuxième équipe. Tout simplement. Ok, c'est parfait. Donc non, tu sais quoi, je vais prêter tout ça. Parce que ça a pas l'air intéressant. Ouais, non, en fait, je vais garder. Ça sera ma deuxième équipe, ça, tout simplement. Donc, à ce qui paraît, on peut faire une deuxième équipe. Ou je sais pas trop quoi, là. Attends, c'était dans quoi, déjà? De dispo, non. Tactique, non. Voilà, créer une nouvelle compo d'équipe. Compo 2, je vais mettre. Et là, on va faire jouer nos petites pépites. Kun Agüero. Ça va faire bizarre ça de mettre Kun Agüero sur le banc, sincèrement. Donc on va faire que jouer qui en buteur là. Donc en buteur, on va tout simplement mettre Negre. Oh là là. Si je mets Nastasic en BU, ça va pas le faire. Par contre là, ouais, là je vais changer mon effectif, je crois, hein, parce que ça va pas être un bon effectif. Ça, on va en premier changer mon petit effectif de cette équipe.
Le dispositif, excusez-moi. Je vais mettre un 4-4-2 de base. Hein. Manchester City, voilà, comme ça-ci. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, on va un petit peu changer ça et on verra tout ce qu'on a besoin. Donc par après, donc, un petit Edin Dzeko, je vais te mettre sur le banc dans cette équipe, cousin. Donc Jovetic, je vais faire jouer Jovetic à ta place. À droite, je vais enlever Fernandinho, je vais mettre Jesus Navas. Et... après, à gauche, je vais pas mettre Silva. Il y a qui à gauche? Qui je peux mettre à gauche? À gauche. Donc, je n'ai pas de milieu gauche dans cette équipe. Ok, c'est pas grave. Donc, il me faut déjà un milieu gauche. Donc, en milieu central. Ok, ça, j'en ai assez. Je vais mettre Lampard. Parce que Lampard, il peut vraiment apporter beaucoup. Avec l'autre milieu central, je vais mettre... ah oui, Fofana. Tiens, je vais mettre Fofana. Vous allez me dire, c'est quoi cette équipe de merde? Bah ouais, les gars, putain, qu'est-ce que Nasri fout en défenseur gauche, merde, alors. Donc après, en défenseur gauche, je peux mettre qui? Je peux mettre qui? Donc, il me manque un défenseur gauche. Ah non, j'ai Clichy. Ok, ça, c'est parfait, donc on va mettre Clichy. En défenseur central, on va mettre pas De Michelis, parce qu'il est vieux, ce bâtard. Donc on va mettre qui? Donc en défenseur gauche. Ouais. Ok, donc il me faut un défenseur gauche. Ah non, Kolarov. Ok, parfait. Défenseur gauche, Kolarov. Défenseur central, excuse-moi. Ça ne sera pas compagnie, ça sera tout simplement un petit jeune. Est-ce que j'ai un petit jeune? Défenseur central, un petit jeune. Nastasic. À droite, je vais mettre Richard. Richard m'a l'air pas mauvais. Donc il me faut donc simplement un milieu gauche et un gardien pour cette équipe 2. Donc on va aller voir ceci, donc rechercher joueur. Donc on va mettre position, on va mettre un gardien. Donc nationalité tout, on s'en fout. Âge minimum, donc 16 ans. Âge maximum, on va aller à 20. Non, on va regarder un gardien entre 18 et 21 ans. Allez, on va rechercher un petit joueur. On va voir un peu. Parce qu'on a 80 millions de bénis de trucs des transferts là. Que je crois qu'il y a moyen d'avoir du très très lourd. Donc on va voir ça. Hein. Ah, Areola, lui il est très très lourd. Très très bon gardien, Areola. Bon, donc on va déjà s'informer sur Areola. Donc parce que voilà, ça m'a l'air d'être très très bon. Moi on m'a dit qu'il était vraiment excellent, qu'il avait demandé à d'observer, ajouter à ma liste prioritaire, s'informer sur Alphonse Areola. Donc, ok, parfait. Donc, le joueur du PSG, hein. PSG qui a battu Barcelone. Ah là là, j'étais content, les gars. Sincèrement. Donc, on va aller voir en... qu'est-ce que je pourrais aller voir? Donc, peut-être en Bundes. En Bundes, il y a des bons clubs, hein, on est d'accord. Bundesliga, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme gardien là-bas. Est-ce qu'il y a des gardiens intéressants? Ok, pas de gardien intéressant. Est-ce que je vais m'informer sur deux gardiens? Parce que sinon, sinon on est un peu... on est mal, tu vois ce que je veux dire. Parce que si Areola coûte trop cher, ben, tu vois ce que je veux dire, ouais, je vais pas le prendre. On va regarder un peu les constitutions. Lui joue Arsenal. Ah mais il a 21 ans. Oh oui, lui il a l'air pas mal. Même lui. Ouais, oh, non, tu sais quoi, je vais aller un petit peu plus haut parce qu'à 21 ans, il n'y en a pas forcément. On va aller jusqu'à 26 ans. Là au moins il y aura du gardien. Il y aura du très lourd. Oh, Thibaut Courtois. Ça, je vais essayer de le faire venir, sincèrement. Donc, ajouter un espoir. Approcher Chelsea pour un achat. Valeur 18 millions. Bah, franchement, si je dois mettre les 18 millions. Donc, on va pas mettre 18 millions. On va mettre 13 millions. 13 millions 50 000. Donc 13 millions 50 000. Ouais, non, ouais, ok. Et on va mettre un petit joueur. Hein. On s'en bat les couilles, les gars. On va mettre qui? Un gars qui est pas dans une de mes équipes. On va leur mettre un petit gardien. Allez, on va soumettre l'offre.
pourvu qu'on ait Thibaut. Si on a Thibaut, je suis vraiment bien. Si on a Thibaut, je le fais même jouer dans mon équipe A. Je ferai jouer l'autre là, Joar, dans mon équipe B. Donc il nous faut également un milieu gauche. Un petit milieu gauche. Hein, donc milieu MG. Donc il faut un petit milieu gauche. Un petit milieu gauche des PPL, pourquoi pas. Un assez jeune. Ouh, Asaidi. Mm-hmm. Je peux prendre. Oh là là, Eden. Ah, tu sais quoi, je vais regarder pour Adnan. Adnan, on va approcher Manchester pour l'avoir, mon petit Adnan Januzaj. Valeur, ok, on sait pas. Donc on va proposer. On va proposer 8 millions. 8 millions pour Adnan. 7 millions pour Adnan. Allez, on va voir ça. 7 millions d'euros pour Adnan Januzaj. C'est parti. Donc un joueur que je voulais également recruter, c'est tout simplement le petit Kelvin. Le petit Kelvin qui est dans la carrière manager de mon copain Hirtelin. Donc grosse grosse dédicace à toi Hirt. Qui m'a dit que Kelvin était vraiment monstrueux. Enfin voilà quoi, 5 étoiles et tout, tu vois, il est vraiment bon. Kelvin. On va aller chercher ça, le petit joueur de Porto. Le petit jeune de Porto. On va approcher Porto pour acheter. Hirt m'a dit qu'il l'avait eu pour 2 millions. Donc 2 millions, on va voir si je peux me le choper. Je vais le mettre 2 millions 400 000, voilà, pourquoi pas 2 400 000. On va soumettre l'offre. Ok, ça c'est parfait. Donc on a fait tout simplement nos petits trucs. Hein. On a fait tout ce que il nous fallait faire. Vous allez voir, j'ai un bon budget de salaire au calme. Donc ma carrière, etc. Ok, donc on va voir un petit peu en saison dans quoi je suis tombé. Donc le premier match contre Lille OSC. Après Oreille, je connais pas. Après un petit match amical, ok, parfait. On va voir en si je suis tombé en Champions League ou pas. Donc je suis où? Je suis même pas dans les équipes mondiales. Oh là là. Oh, tu sais quoi, nique sa mère. Comment on voit là? Comment? Parce que franchement, je suis pas un monstre. Je suis. Bon, on verra bien par après dans quel tirage je suis tombé. On va avancer tout ça pour voir bah, si j'ai tout simplement. Mais si j'ai eu mes petits joueurs. Donc Paris, votre intérêt pour Alphonse Areola. Putain, merci de l'intérêt. Il fait actuellement objet d'un prêt, ok, c'est pas grave. Donc il est prêté, donc Areola c'est mort. Donc espérons que je vais avoir l'autre là. Comment il s'appelle déjà? Espérons que je vais avoir mon petit Courtois. Limite il me faudrait juste un petit Courtois. À Chelsea, offre de transfert inacceptable. Transfert rejeté. Oh là, nous avons Thibaut Courtois. Tu sais quoi, on va proposer plus. S'en bat les couilles. On s'en tape, le joueur on va l'enlever. On va pas leur proposer de joueur. On va retirer le joueur, on va mettre plus. Je veux Thibaut. Je veux vraiment Thibaut Courtois les gars. Voilà, on va mettre 15 millions pour Thibaut. Donc vraiment j'aimerais avoir Thibaut parce que voilà c'est un énorme gardien, 86 général à son âge quoi. Ah putain, même eux ils veulent pas soumettre une nouvelle offre pour Adnan. Donc Adnan, on va mettre, comment dire, on va mettre, vas-y, on va mettre 10 millions pour Adnan. J'aimerais bien qu'ils acceptent. Parce que Adnan, voilà, voilà, Adnan quoi, c'est Adnan Januzaj, c'est vraiment un monstre. Il me le faut vraiment dans mon équipe parce qu'il est jeune, il a un très bon potentiel. Et putain, mais montant demandé 6 millions. Bon, on va monter ça à 4 millions. On va pas mettre 6 millions hein, pour Kelvin. Et oh, hey, négocie pas avec Manchester City, mon gars. Moi, je suis un grand coach. Allez, on va encore continuer la simulation. Au petit calme, les gars. Donc, Negredo. Il propose 20 millions pour Negredo. Negredo, il a 28 ans. Donc, je vais faire une contre-proposition de 25 millions pour Negredo. Pourquoi pas hein, soumettre l'offre à Negredo. 26 millions, comme ça, je peux m'acheter un bon petit buteur de un peu plus jeune hein, quand même. Parce que 28 ans, il est vieux, hein, Negredo, il va plus forcément évoluer. Et vu qu'il est, enfin, dans mon équipe A, de toute manière, je vais vendre personne. Level Negredo pour 23 millions. Moi, je vais remettre. Je vais mettre combien? 25 millions. 500 000, allez. 25 millions, 500 000. S'ils me prennent pas Negredo, ils peuvent aller se faire voir. Tu vois, d'habitude, je dirais un petit plus faire.
tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je vais être un peu plus sympa. Donc on va voir à combien de temps de rec je suis déjà. Donc je suis déjà à une vingtaine de minutes, voire encore un petit 10 minutes de rec, pourquoi pas. Transfert rejeté. Mais putain, tu te fous de moi ou quoi, Kouz? Tu veux que je te propose combien pour l'autre là, pour Januzaj? Vas-y, tu sais quoi, je vais proposer 15 millions. 16 millions je propose pour Januzaj. Je me suis peut-être fait carotte, je m'en fiche. 16 millions pour Januzaj. S'il me le donne pas, puis il peut vraiment se faire voir, parce que là, je sais pas ce que voilà, tu vois ce que je veux dire. J'espère qu'ils vont accepter pour Courtois, hein. 16 millions d'euros, Thibaut Courtois. Bon, il les vaut, hein. On peut dire ce qu'on veut, il les vaut. Si j'ai Courtois, je mettrai Courtois dans mon équipe 1, tout simplement. Putain. Allez. Je mettrai. Ah oui, peut-être pourquoi pas acheter Matuidi. Ça, ouais, ça reste un transfert rejeté. Nous avons l'offre. Courtois, offre rejetée. Bon, tu sais quoi, je vais mettre 17 millions. C'est quoi, je vais demander, je vais offrir plus que sa valeur. Parce que je le veux sincèrement, le Courtois. Il me le faut. Ah, voilà, Kelvin. Parfait. Donc, salaire proposé. Donc, je vais lui proposer un petit peu plus. Je vais lui proposer 54 000 avec 10%. 4 avec titulaire important. Jouer titulaire important, comme ça il me casse pas les couilles, il me dit pas non. Donc voilà, Kelvin, déjà normalement c'est fait. Proposition de transfert. Donc nous avons aussi une Martin Demichelis. Donc Demichelis, on va demander 4 millions. On va demander 4 millions. Oh, on va demander 4 millions d'euros pour Demichelis. On va soumettre l'offre à 4 millions. Je le fais partir, de toute façon il a 33 ans, il a que 79 de général. Je ne peux pas faire mieux en France. Ça, je ferai ça dans mon deuxième épisode, hein, tout simplement. Là, je fais mes transferts. Une fois que j'ai tout. Borussia Dortmund en attente pour Negredo. West Bromwich. Ok, vas-y, c'est bon. J'accepte l'offre pour Demichelis. De toute façon, je l'avais pas mis en défenseur central, je pense. Poste de sélectionneur. Ok, parfait. Allez, putain, dites-moi quoi là pour Thibaut. Je le veux, ce Thibaut. Borussia Dortmund. Nous avons étudié votre prix pour Negredo et nous êtes dessus pour faire des affaires, des représentants de boss. Ok, parfait. Proposition de transfert. Negredo. Oh non, non, Dzeko, je rejette d'office l'offre. Je rejette l'offre de Dzeko, ils sont fous quoi. C'est des malades, Dzeko est dans mon équipe. Oh, il est dans mon équipe type, Dzeko. West Bromwich. Oh là là, Manchester United. De quoi? Hein? 24. Ouais, zinc. Tu sais quoi, je te mets 22 millions. Eh, 22 millions, par contre, je vais pas plus. Parce que. Ah putain, mais ouais, mais Adnan, il me le faut. Ah, Kelvin. Bienvenue dans mon club, Kelvin. Donc, bienvenue, copain. Nous avons reçu une. Stevan Jovetic, non, je rejette l'offre tout simplement. Donc on va tout simplement, si vous avez entendu ma petite soeur parler, je m'en excuse, hein, elle est rentrée en me demandant un truc sur son ballon, mais je m'en bats les couilles. Bon, on va faire un peu déjà ce qu'on a. On vient déjà d'avoir mon petit Kelvin. Hein. Allez, t'es où, Kelvin? Pourquoi? Pourquoi il est pas encore dans mon équipe? Ah oui, ouais, ok, ouais. Faut qu'il accepte en premier, tu vois. Allez. Putain! Tu te fous de ma gueule! Montant demandé 30 millions! Je vais mettre 28 millions, pas plus. Budget de transfert restant. Attends, il me reste plus beaucoup. C'est pas grave. Il faut joueur président. Hein. Joueur vendu.
J'ai vendu. Je sais pas qui j'ai vendu. Donc la vente de Negredo à son nouveau club. Ok, parfait. Oh, c'est Stefan Jovetic. Donc je rejette l'offre pour Jovetic parce qu'il est dans mon équipe 2. Et vu qu'il a que 24 ans, et Dzeko c'est mort. Mais c'est pire que mort. Et jamais je laisserai partir Dzeko, ni Kun, ni quelqu'un de mon équipe A. Oh là là. Bon allez, wesh, je veux mon petit joueur là. Ah, voilà Adnan. Donc Adnan, on va lui proposer 53 000 avec une prime de but d'autant, 4 ans, titulaire important. Allez Adnan. Adnan, déjà, c'est presque fait. Peut-être à l'ennemi juré. Demichelis a été vendu. Parfait. Donc Demichelis, de toute manière, voilà, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc à propos du poste de Negredo. De quoi ? Ok, j'ai vendu Demichelis. Ok, lui. Eh, mais vous êtes fous, wesh. Bon, vas-y, on va proposer les petits 31 millions. Je propose, hein, je m'en fous. De toute façon, voilà. Valeur, putain, mais sa valeur, c'est 18 millions. Il demande 30 millions, c'est des ouf. Coach, je pense que je fais un bon remplaçant pour le poste laissé libéré par Negredo. Mais toi, t'es déjà titulaire, connard. Quel beat. Quel con, lui, Dzeko. Adnan, yes! 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 Voilà, Kelvin aussi, c'est fait! Voilà, c'est cool ça, je suis bien. Nouvelle recrue. Ah, parfait, parfait! Voilà, parfait! Proposition de transfert pour Kolarov. Non, Kolarov. Attends. Attends. Non, je rejette l'offre. M'en bats les couilles. Je m'affiche, je vais pas me séparer des Kolarov. Allez, allez. Là, si j'ai Courtois. Donc bien entendu je m'arrête hein, dès que j'ai mes 3 joueurs. Je vais vite faire refaire mon équipe et ça sera la fin. Oui. Yes. Yes. Bon par contre proposer le salaire de Courtois ça sera un petit... Vas-y on va proposer un petit 200 000. Prime d'investibilité je vais mettre 20%. 5 ans titulaire indiscutable Thibaut. Thibaut dans ma première équipe. Joar dans ma deuxième. Parfait. Donc voilà, hein, une fois que mes trois joueurs seront là, ça va être magnifique. Ah là là. Devant Frank Lampard. Lampard. Mais oui, mais je sais pas combien ils me le mettent aussi, wesh. C'est vraiment les Spurs. Non, Lampard, il est bon, c'est un leader. Dans ma deuxième équipe, ça sera le leader, donc lui, je vais pas le faire partir. Kurt Zuma. Allez, 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 allez. Voilà, Thibaut Courtois, c'est parfait. On va accepter ça tout de suite. Aïe, 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 je suis bien. Donc, Thibaut Courtois, nouvelle recrue, les gars. Nouvelle recrue, Thibaut Courtois. Oh putain, 31 millions de crédits. D'euros, pardon, crédit. Oh, quel con. 31 millions d'euros pour Courtois. Ah putain, le match contre Lille OSC, je vais le simuler hein, les gars. Déjà là-bas je devais même pas faire de match, la composition d'équipe a été mise à jour. Nanana. Donc simuler le match contre Lille OSC. Donc je fais la grosse équipe hein, pour être sûr de gagner. Parce que tu vois je vais. Voilà, ok, vas-y, passer. Et j'ai gagné 3-1 contre Lille OSC. But d'Aguero, Lampard. C'est tout, mais j'ai gagné 3-1. Ok, il a fait jouer Zabaleta, Nasri, Milner. Ah oui, ok, mais c'était mon équipe 2.
Ah merde, j'ai joué avec l'équipe 2. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai gagné 3-1 avec l'équipe 2. Pourquoi pas, c'est parfait. Avec le petit but de Lampard, hein, ça fait plaisir. Ah oui, au passage, ne vous inquiétez pas, je vais jouer les prochains matchs, hein. Là c'est juste les matchs amicaux, donc je m'en fous, tu vois. Mais ne vous inquiétez pas, les matchs, je vais les jouer. Maintenant, allez. Info, nouvelle recrue. Donc les joueurs a fait ses valises, il est en route. Proposition de transfert pour Pablo Zabaleta. Objectif championnat. C'est proposition de transfert de Zabaleta. Je vais rejeter là. Ah mais attends, je l'utilise ou pas? Ouais, je l'utilise, Zabaleta. Ah, pour l'Atletico, ils sont ouf. Email de joueur. Coach, j'espère que vous ferez tourner l'effectif. T'inquiète pas, ma poule, je vais faire jouer mon effectif. Donc on va changer un petit peu l'équipe. Pourquoi il y a Kun Agüero là devant? Je veux pas mettre Kun Agüero. Donc on va changer un petit peu l'effectif, hein. Donc on va mettre un autre BU au calme. Donc t'as qui? Y'a qui joue pas? Lui, je vais le faire jouer un peu. Attends, c'est qui m'a... Y'a... Ah, Jan Uzay. Parfait, donc on va faire jouer. Donc en avant droit, j'ai qui? Je vais mettre... Jan Uzay. Donc à la place de Silva, je vais mettre Kelvin. Monsieur Kelvin. Je vais mettre un attaquant de droite. Je vais mettre Ilua Gun sur le banc. Allez, c'est bon. Hop, on va faire jouer la petite équipe au calme. Hein. On va refaire jouer la petite équipe. On va simuler le match amical contre... Je sais même pas si c'est qui mon gars. Montpellier, miskin. Pourquoi ils font des matchs de merde comme ça quand tu... Montpellier, zinc. 2-2 ? Non ! J'ai fait 2-2 ! Oh putain ! Oh putain, ils sont sérieux là ! But de Lampard. Ah, déjà un but de Kelvin ! Oh ma bite, j'ai fait 2-2 contre Montpellier mon gars. C'est quoi ce bordel ? Oh miskin. Ouais, c'est pas grave, hein. On s'en fiche. Steve Bruce. Oh bah tu sais quoi, je vais finir, hein. je vais bientôt finir parce que là on va lancer l'amical, hein. De toute façon je fais tout avec mon équipe B là. C'est quoi, je vais pas encore mettre des Kun Agüero et tout. Mon petit Jan Uzay, j'aimerais bien qu'il apporte quelque chose à mon équipe. 4-0, bah. Doublé de Jan Uzay, but de Kelvin et but de Clichy, c'est parfait. Genre Lampard, il a raté un penalty. Lampard, t'es mauvais. Oh là là, miskin. 4-0, doublé de Jan Uzay, hein. C'est parfait ça. Kiné. Putain, bâtard. Pourquoi t'es blessé toi? Kolarov s'est blessé durant 3 journées. Donc Kolarov est défenseur central. On va mettre un petit autre, hein. On va... Qui on a encore comme défenseur central dans cette équipe? Ah, j'ai Thibaut Courtois. Ah putain, j'ai plus de défenseur central. Ah, j'ai plus de défenseur central. Bon, pour le prochain épisode, ben, je vais y acheter un petit défenseur central au calme. Donc on va en premier changer l'équipe. Comment on fait pour changer l'équipe? Ah, ici. Donc, en tout premier, je vais changer directement. Parce que là, j'ai tapé lourd. J'ai tapé très très lourd avec toi, mon petit coco. Mon petit Courtois. Courtois, excusez-moi. Mon gars, Lasagna Company. Ah, cette équipe, elle va faire très très mal aux fesses. Vraiment très très mal. Donc là, je vais vite fait mettre Joe. Ah bah, Joe Hart, il est déjà dedans. Parfait. Donc voilà, ça c'est parfait, hein. Donc voilà, j'ai tous mes joueurs. J'ai tout dans cette équipe. C'est parfait. Donc j'espère que ma petite carrière manager, premier épisode avec Chelsea, vous aura plu. Donc c'était un peu long, hein, 35 minutes environ. Donc c'était Super Plo, moi je vous dis à toutes et à tous un très big peace les gars.